Salut à tous! J'ai toujours entendu qu'un lave-vaisselle consomme moins d'eau que de faire la vaisselle à la main. Et je n'ai jamais compris pourquoi. J'ai l'impression que ma manière de faire la vaisselle consomme très peu d'eau. Pour en avoir le cœur net, j'ai fait le test en défiant les meilleurs lave-vaisselle qu'on trouve sur le marché. Et je me suis renseigné sur l'ennemi pour mieux le cerner. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous partager quelques chiffres et choses à savoir sur les lave-vaisselle, et je vais ensuite vous montrer ma façon de faire la vaisselle à la main de manière économique, ce que j'appelle faire la vaisselle à sec. Et pour ce challenge, je vais faire la vaisselle de tout le repas de ce midi avec l'équipe de la ferme. Je rappelle rapidement le contexte pour ceux qui découvriraient tout juste cette chaîne. Je m'appelle Alexandre et j'habite dans une tiny house sur le terrain d'une ferme en maraîchage biologique. Et sur cette chaîne, je vous présente des petits bouts de mon mode de vie dans lequel je me sens plus libre et plus en cohérence avec moi-même. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage! En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Un lave-vaisselle, ça consomme combien de litres d'eau par lavage? En moyenne, c'est 12 litres, et on trouve même des lave-vaisselles, des gros lave-vaisselles, qui consomment seulement 9 litres par lavage. Et faire la vaisselle à la main alors? Eh ben, j'ai trouvé des chiffres vraiment hallucinants, par exemple 60 litres d'eau par lavage. C'est ce que j'ai trouvé sur ElectroGuide, et je suis aussi tombé sur une enquête qui a été faite auprès de 2000 personnes, et dont le résultat serait que la vaisselle à la main consommerait entre 40 et 100 litres en moyenne. Cette enquête a été faite par le GIFAM, groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils ménagers. Ces chiffres me laissent vraiment perplexe parce qu'ils ont été faits par des structures qui vendent des lave-vaisselles et donc qui ont tout intérêt à en vanter toutes les qualités. Pour mon défi, j'ai choisi les meilleurs lave-vaisselles qu'on trouve sur le marché et qui consomment seulement 9 litres pour 14 couverts. Sur son étiquette énergie, on voit qu'il consomme 2520 litres par an. C'est une moyenne qui est faite pour 220 lavages. Et déjà là, j'ai trouvé des incohérences. Dans les caractéristiques du produit sur le site internet, je vois qu'il consomme 9 litres par lavage. Mais si je divise sa consommation annuelle par 220 lavages, ce qui est censé être la référence, je tombe sur 11,45 litres par lavage. Ce qui correspond à 4,2 cycles par semaine. Mais si je pars du principe que c'est vraiment 9 litres par lavage, alors il serait basé sur 280 cycles par an, ce qui normalement n'est pas le cas sur les énergies labels, ce qui donnerait 5,3 cycles par semaine. Ça me semble énorme pour un lave-vaisselle de 14 couverts. Je trouve aussi qu'il y a un petit peu de malhonnêteté sur ces étiquettes énergie, parce que certaines classes de certains types d'appareils sont même interdites à la vente. Par exemple, j'ai trouvé ce schéma qui montre toutes les classes énergie qui sont autorisées à la vente. Et on constate que pour les congélateurs, les machines à laver et les lave-vaisselles par exemple, il n'y a que les classes A+, A++ et A++++ qui sont autorisées à la vente. Toutes les autres sont interdites. Donc le fait de laisser les autres classes apparentes sur l'étiquette porte vraiment à confusion, comme si on pouvait trouver moins que A+, alors qu'en fait ça n'existe pas. Retenez donc que les moins bons lave-vaisselles qu'on trouve sur le marché sont les A+. Et juste avant de passer au défi, je voudrais vous parler du lave-vaisselle Bob, un tout petit lave-vaisselle qui se vante d'être écologique parce qu'il fait un cycle en seulement 3 litres d'eau. Leurs créateurs disent qu'il consomme 5 fois moins de litres qu'un lavage à la main. Alors déjà, je trouve que c'est vraiment du gaspillage de fabriquer cet objet, parce que quand on voit la quantité de vaisselle qu'on peut mettre dedans, autant la faire à la main, c'est vraiment 3 fois rien. Et en plus, utiliser 3 litres d'eau pour seulement l'équivalent de 2 couverts, c'est en fait énorme. Pour reprendre l'exemple du lave-vaisselle que j'ai choisi, qui consomme 9 litres pour 14 couverts, on aurait alors un équivalent par rapport à Bob de 21 litres pour 14 couverts. Et c'est absolument gigantesque. Mais bon, tout ça c'est pour vous dire qu'il faut se méfier des chiffres et du marketing en général, et que souvent, en se débrouillant avec ce qu'on a déjà chez soi, on s'en tire bien mieux. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie de prendre en compte avec la consommation d'un lave-vaisselle, c'est son cycle de vie global. Tout ce qu'il a nécessité comme énergie à la production, pour la matière première et les transports, et tout ce qu'il va nécessiter comme énergie pour le recyclage. Alors qu'un robinet et un lavabo, on en a tous chez soi, et il n'y a pas besoin d'un appareil supplémentaire pour faire la vaisselle. J'avouerai que pour des familles nombreuses, c'est souvent bien pratique. J'ai grandi dans une famille où on était 5 enfants, donc à 7 à la maison, il faut admettre que ça va super vite, et effectivement, on lance une machine presque chaque jour. Et il y a déjà bien assez de vaisselle à faire à la main entre les casseroles et différents plats. Mais par exemple, à la ferme où je travaille maintenant, le midi, on mange tous ensemble et on fait la vaisselle à la main. On s'y met à 2 ou 3 et c'est vachement convivial et ça va super vite, même pour une vaisselle de 6 à 10 personnes. En tout cas, si vous vivez seul, en couple ou en petite famille, il y a moyen de faire beaucoup plus écologique que le lave-vaisselle et c'est parti pour le défi. Bienvenue dans ma tiny house. Voici toute la vaisselle que je m'apprête à laver, de la vaisselle pour 7 personnes, et c'est très bien, il suffira que je multiplie par 2 à la fin pour arriver à la capacité du lave-vaisselle pour 14 couverts.
Voici le poste de travail et les accessoires de vaisselle, brosse, éponge et savon. Et si je suis venu faire la vaisselle chez moi, c'est parce que j'ai un allié de taille, le brumisateur. Je peux calculer ma consommation d'eau parce que je connais le débit de mon robinet. Pour la position douchette, elle fait 1 litre en 46 secondes, et pour la position brumisateur, c'est 1 litre en 5 minutes. Au fur et à mesure de cette vaisselle, je vous affiche la consommation d'eau en haut à gauche de l'écran. Faire la vaisselle à sec, ça veut dire ne pas remplir un bac d'eau pour faire tremper la vaisselle, mais c'est simplement mettre un petit peu d'eau au fond de chaque récipient. Il n'y a que lors du rinçage que j'ai besoin de laisser le robinet couler. En nettoyant le plat, je me donne une difficulté en plus parce que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais mis dans le lave-vaisselle en l'état. Et les assiettes trempent pendant que je lave la casserole. Et le défi est largement gagné avec moins de 2 litres utilisés pour ma vaisselle, donc l'équivalent de moins de 4 litres pour la vaisselle de 14 couverts. Ce qui est plus de 2 fois moins que les meilleurs lave-vaisselle qu'on trouve sur le marché. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour économiser de l'eau à la cuisine, et je vous mets en description le lien de mon brumisateur qui m'a permis de gagner ce défi contre les lave-vaisselle. Si mes vidéos vous plaisent et vous sont utiles, vous pouvez valoriser mon travail via mon compte Tipeee. Pour vous donner une idée, je passe à peu près une journée et demie par semaine pour travailler sur cette chaîne, entre la réalisation de vidéos et la gestion de la chaîne. Tous les petits coups de pouce sont donc les bienvenus, et je remercie du fond du cœur tous mes tipeurs, je lis tous vos encouragements avec une grande joie.
Pensez à cliquer sur le petit pouce, à partager la vidéo et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.